Bonjour, bienvenue à l'émission Le Détail à Mokolo. Il y a le 15 septembre, mardi 2020. En tout cas, plaisir Zali à Bissou et Rebaki. Vous allez belé, merci aussi. Na confiance, vous allez toujours renouveler l'émission Le Détail à Mokolo. Il y a le Mokolo, il y a le Zali quand même belé. Rentrée parlementaire dans deux chambres. Kuna, il y a Sika, Massoli, Zali, Kosala, ma reprise de Salami Mokolo. Il y a le Mokolo, il y a l'émission Le Détail. Il y a Mokolo, il y a le Mémo, il y a 13 parlementaires déjà à la table de Mokonzamboka pour na koyé ba ningini ni ba réforme makanisi na bango na makambo tali réforme na niveau ya CENI tokolobela pe insécurité na niveau ya parti Est République démocratique du Congo pour l'unité sociale ya peuple congolais au-delà ya ba rentrée parlementaire au-delà ya ba aspect politique au-delà ya ba proposition mais le social ya peuple congolais est aussi important pour na cadre ya makambo ezali koleka na République démocratique du Congo. Des invités na plateau les détails Mokolo lelo tozali Non, mais c'est Emmanuel Tshibambe Oyoazali, communicateur et IDPS. Mais c'est Emmanuel Mbote. Mbote, Ndeko. Plaisir, c'est pour la première fois dans l'émission Les Détails. Ça ne sera pas la dernière fois. Donc, tu es bien au tout le Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Azali habitué, vous voyez bien déjà, monsieur Golvi Mwanda, communicant, expert en communication. Il est toujours dans ma solo. Dans les détails, monsieur Golvi, bonio. Madame Mundeko Jimmy, et plaisir, il y a trop. Et puis, on a profité de l'occasion pour qu'on a salué les collègues Nara et la classe Emmanuel Tshibambe. Voilà. En tout cas, bienvenue. J'espère que vous avez tout ça à débat à Kitoko. Merci beaucoup. Exactement. Vous comprenez déjà qu'il y a des invités qui ont reçu l'émission, le détail, il y a Mokolo et Lilo, pour que vous quand même en profondeur, que vous quand même l'élément. Ils ont quand même une exception pour la vérité. Déjà directement, c'est Emmanuel, vous allez communicateur à IDPS, rentrée parlementaire Mokolo et Lilo, le 15 septembre, vous avez entendu. Le 15 septembre, vous avez entendu Mokolo et Lilo, rentrée parlementaire au Salaman. Quels sont les enjeux? Ils ont les budgétaires, mais les enjeux politiques et qu'aux alliés n'ont ni ni pas attente aux populations quand même au niveau à cause de la rentrée parlementaire aux salamans et cause à la plus ni ni quota quand même vraiment les détails pour que tout bande d'émission. Merci beaucoup, Ndeko Jimmy, oui. Pour la question. Le 15 septembre, ils allaient l'eau, n'est-ce pas? Loba, je suis bien session et à mois de septembre, ils allaient exclusivement. Au niveau du budget, budgétaire. Oui, le Parlement, il faut élaborer un projet de loi, projet de loi pour la, par rapport au budget, il y a exercice, il y a année, où il y a. Donc, bon, j'ai examiné par rapport au budget à 2021. Moni, dans 2020, le Parlement, il faut un budget à 10 milliards. 10 milliards. À peu près 11 milliards. Voilà. Après, rétrécissement de Salama, Tito, qui est à niveau à peu près 6 milliards. Money. Et puis ça, il m'a pas 6 mois, ok. Mais cette fois-ci, bon, jeu, au bateau d'Ozé, là. On a vivre en utopité. Voilà. On a vivre en utopité. Golvi Azawana, et puis, il a tenu sur la classe. Il a une formation universelle, on a tenu sur la photo, sur la photo. Nous sommes des doctrinaires, il y a rationalité. Donc, on a le Makambo, il y a rationnel. Exact. On a le chimérique, il y a le français. Donc, nous ne vivons pas dans ce monde chimérique-là. Il faut vivre dans la rationalité. Donc, session 2000, session, il y a septembre, il y a la session, Oyoyo, Parlement, à l'hôtel, budget, il y a l'année euro, il y a l'année aux Allah, il a beaucoup tout consort. Exact. Effervescence politique, il y a mon nom, il y a un donc ce qui concerne en plus la politique là les propositions voilà ils allaient quand même les moins importants c'était par rapport aussi politique proposition par rapport à quoi par rapport à quoi par exemple net si déjà rapporteur hein à l'obac il y a Moussa l'obac qui au delà il y a rentré ça lui plus budgétaire mais bah président bah groupe parlementaire bah il faut proposer aussi bah bilo comme sous la carte bon on a yebi au delà bah budget de notre l'obac ils appellent là événement de taille pézo c'est la mission à part la rentrée parlementaire exact ça est bien bien bon et yo pèse Ezali 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 mission à UDPS tokobim sa candidat na biso remplaçant il y a premier vice président il y a poste wana boyebi que madame Seya madame Patricia Seya donc à part donc on est allé aspect et quoi ça la peine à 4 mois au délai budget mais au délai budget on en a yé aux concerné bino quand même mingi au biso té au côté assemblée nationale voilà. Depuis le départ, il y a présent ce Jean-Marc Kaboun. Ouais. Nous rappelons, on a remplacé Aya Iskaronate. Donc, ils ont l'occasion. Madame Patience, comment
Donc, pour le budget 2021, le 15 décembre. Et puis, na élection à Madame Patricia Seya. Et on est aux îles. Donc, il y a monsieur Ezaté à part. Merci beaucoup. Monsieur Golfi, Outi Hollande a déjà, monsieur Manuel, a Outi quand même compris sa position à Bango, au niveau IDPS, il est communicateur. Au-delà, il y a aspect budgétaire. Il y a un remplaçant Jean-Marc Kabundo, qui est déçu, qui est dans le poste. Voilà. Et ça, il peut quand même de trop. Budget en Bokan Abisso, il y a un peu réaliste, c'était. Tout le monde a voté 10 milliards à l'auteur et commis 11 milliards à peu près. Et Zongine a 6 milliards, bah, tente sur le plan il y a un jet politique. La rentrée en septembre, il y a quand même Nini. Vous avez quand même la parole dans le détail, puis ça quand même la précision. Merci beaucoup, Ndeko Jimmy Makola. Et puis, Mandé Kolanda Ndeko Langaï, Emmanuel Tangazoua qui m'a l'oba. Au Moni, il faut trouver un rôle à Parlement et Zanini dans une démocratie. Rôle à Parlement et Zanini. Mais depuis Félix a continué à Kibokonzi, Parlement il y a irresponsable et le rôle à Parlement tout en avant. C'est-à-dire que ça, c'est la conséquence. Mais tant que vous avez un mot irresponsable, on a aspect nini, est-ce que. Voilà, en fait. Réussir comme ça, la mission n'a pas monté. Yonde au Katsingama. Mais continuez quand même. Yonde au Katsingama. Vous savez, dans un pays, lorsque les temples, vous savez, le Parlement va considérer le roi les temples de la démocratie. Lorsqu'un Parlement se met à travailler pour les comptes d'un individu, ouais, c'est-à-dire qu'il ne remplit plus son rôle comme il le fallait. Au moins là. Nous, en fait, comme on se rend compte, on dirait Parlement à Bissou et comment un Parlement, ça, non, et comment, bah, comment, c'est-à-dire, ils ont un droit, mon gros, bah, comment, oui, pour qu'on rendre compte, en fait, qu'on rendre compte et pas à Moutoumou, mais pour les bénéfices, il y a Moutoumou, bah, ou à Zak ou Zélabango. Vous voyez, c'est pas important. Vous savez, notre pays, on a surtout développé ce jeu avec la suite. Notre pays a des urgences et belé. Vous voyez, Parlement à Bissou, la session budgétaire, ils ont. Bah, qui c'est par exemple les instances, le rôle là-bas, IGF, on se comprend pouvoir pour que ça mette ça là-bas au bien. Mais déjà, la ministre IGF, ça déjà, la Moussala n'a pas qui pénal quand même, et la manne, et le bagalati pénal, la manne, et tout ça, Moussala, mais comment encore oui, c'est exiger encore le Parlement de faire le camp encore plus. Oui, que depuis Parlement et Bandi, non, bah, bien ici, ministre, comment tu vas contrôler pour la Bango, tout va bien. Donc, c'est un Parlement avec une coloration plus politique qui est rationnelle. Au moins, il y a des demandes à l'Obaki. Mon ébisso, la médecine, c'est tout le journalisme. Et bien, ça, il y a des gens qui ont été vendanières. Voilà. Au moins, là. Et là, on a encore une fois de plus, on a député, on a un sénateur. Il y a des gens qui ont été vendanières. Il y a des gens qui ont été que ce soit Kabila ou Fachi, non, en fait. Biso nion surtout dans la dénominateur commun en Bokana biso comme on les a RDC. Donc et puis on a profité de l'occasion pour qu'il a condamné en passant en temps la manière qu'il y a une émission na yo. Na mon nzela na niveau il y a 10e rue militant il y a UDPS. S'est mobilisé pour aller na parlement en fait, je sais pas trop pour la nini. Aux hommes là. Donc na mon équipe à disposition à la police et Zawana pour qu'il va empêcher Bango. Mais je suis en train de condamner avec la dernière énergie cette manière de faire. Donc. Et puis je vais demander à tous les députés, si canon côté la prévaricataire, on a pas ça, il y a beaucoup comme il faut. Merci. Vous savez, ma députée, bah, ça va grand électeur. Mon député, moi, a quoi représenter 10 000 personnes. Donc, bisonné tout pour la bango, tout si bon appareil. On a parlé, bah, représenter bisou. Alors, bah, ça, moussala, bah, on dengue, l'on bani. Merci beaucoup. Monsieur Manuel, où tu goulandes quand même, mais toi, quand même, dans mon aspect, mon sous. Au-delà de la rentrée budgétaire il y a septembre, mais ils ont une proposition, ils ont une souffrance, par exemple, la loi Minakou et Sakata, ils ont une proposition, ils ont une idée, il y a un député, il y a quand même un droit de paix au salon, comme tout Congolais aussi, il y a comme une élection, il y a président de la République, il y a un niveau caca, il y a un parlementaire, il y a voté, il y a un goïka sans est-ce que vous, na interne, déjà comment vous envisagez, vous au moins au-delà y a aspect où est-ce que il faut qu'on ait quoi zonga les sous pour que bah traiter en haut et bah contourne en haut et cause là quand même dengenini vous avez encore le temps puis ça quand même détail un aspect où on est à rentrer haut parce que ça rentrer moi au-delà au bas zolo bah en haut y a budgétaire mais ça peut politique y a banger à ma casse, comment vous trouvez ça déjà? Merci, je voudrais d'abord un tout peu me passer l'expression recadrer mon très cher ami Golvi Mwanga. Tout à l'heure, il vient de dire qu'il a vu les militants de l'UDPS
s'est mobilisé pour aller au. Mais parce que Luganini, on est un temple de la démocratie, en plus, siège d'institution, ils allaient inviolables, hein, c'est long, mais bien coupé. Parce que je suis Luganini, mais on est entre parenthèses, mais répondez d'abord à la question. On a le lobby avant de répondre à la question, on a un d'avoir recadré au Ndeko Golvi Mwanda Otolo. Salam Mwanda Otolo. Le lobby, ça va contre la vérité. Il y a soloté. En fait, les militants où il y a Moni, dans la 10e rue, ils s'est mobilisé pour une et une seule raison. Voilà. Secrétaire général Nabisso, il y a parti. Il a communiqué avec Nabisso, les membres sont partis. Tout s'est mobilisé pour rendre hommage. De compatir dans le malheur où ils ont frappé présent Sassou Nguessou. Vous voyez, maman Antoinette Sassou Nguessou, vous allez moi aussi à présent Sassou Nguessou. Vous voyez, on a un mot, à Koufaki, à Zahar, à Koufaki, à Baba Congolais, à Zahar, oui. Alors, voilà, famille à Poto. Famille à Poto. Donc, la présence Sassou Nguessou, je suis sûr, je crois qu'à Royapi. D'ailleurs, messe, moi, ils ont organisé en notre dame de Lingua. Voilà. Directement, puis on a eu une messe. Il y a un moment, bah militants n'a pas su se mobiliser. C'est pas pour quoi dans l'Assemblée nationale était mais ça pour aucune messe. Mais écoutez, c'est là non. Voilà. Je ne trouve aucun inconvénient sur votre équipe. Dis-moi, quel est l'inconvénient sur votre bassin mobilisé qui n'a pas eu de peuple. Mais n'angonga où? Est-ce que ça n'a dis-moi d'abord. C'est le palais, c'est le palais du peuple. Voilà. Est-ce qu'il y a un temps défini? Pour que Batouba Kenena, Batouba Kenete. Mais Batouba Kenete, vous avez la raison aussi, mais c'est Emmanuel. Mais la raison, c'est que moi, je vais aller accompagner, mais c'est lui. Voilà, c'est que Batouba Kenete. Je ne dis pas que c'est ça. Ça peut être l'une des raisons. Voilà. Je vous dis, il n'y a pas d'inconvénient sur Batouba Kenete, qui n'a pas eu de paix. Là, il n'y a pas d'inconvénient. Voilà. Nulle part, il est stipulé. Mais c'est ça quand même raison. Alors, militant Nabisso, membre soit parti. Exact. Hiérarchie, c'est Nga Nabisso, toi accompagné. Famille, Sassou Nguessou, voilà. Malheur Oyo, et tu sais Bango, donc pour accompagner Bango, Banane, lui dit, il y a lieu, il y a sépulture, il y a la nécropole. Voilà. Donc, on a le coup. Donc, ils ont Oyo, ils ont les gens de Golfi Monde à l'autre. Exactement. Donc, on a une information, je pense que j'ai fourni l'information la plus potable. Merci. Alors, pour que nous ayons la question, Nayo. Par rapport loi à. Bon, loi Minako, à ma connaissance, je sais que. Auteur Nando Minako, Gary Sakata, je crois, à moins que ma mémoire me trompe, je crois qu'il va retirer la loi là-bas. Mais alors que Bassengara a moins de temps pour que Bako t'en a sensibilisation. Non, mais. Retirer qui va loi en tout cas, je suis. En tout cas, là, je crois ma mémoire est trompée. Balorana, Gary Sakatana, Obeminaku, Retirer. Parce que mon acquis réaction à un peuple congolais. Exact. Pour Balorana, Bangoua, il y a un mot funeste. Mais si Obenga, Balorana, il y a un mot. Il y a un mot. Il y a Bitumba, Moto. Il y a un mot. Il y a une obligation à retirer Balorana. Ça, c'est ma connaissance. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est par rapport à Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji, par rapport. Ngoïka Sanji, je crois que c'était une proposition qui n'a pas été. Ici je le dis avec réserve d'usage. Hein. Voilà. Je ne crois pas que cela ait été débattu à niveau il y a la commission, tout ça. Oui. Parce que c'est la meilleure parlementaire. Donc moi je pense que Mme Ngoïka Sanji est un non-événement dans la rentrée parlementaire. Mais M. Manuel, tout est quand même pour ça va même Maluba. Par rapport à la coalition FCC Cash, est-ce que Ningé Bazongi Oyo? Les camoulo là il y a entièrement Rosa Malombe ko la mukate to bosola qui a ngote to force que ba cadre pour ba reprise ba ya négociation ils ont acquis quand même est-ce que ko zonga li sous pour que rapidement to bibabe babi misape muto ko kambaseni pe une équipe na mbima pour que les choses avancent aussi. L'article 5 de la constitution et lobby le peuple est souverain, n'est-ce pas, et tout le peuple est obligé de mettre en échec tout celui qui veut prendre le pouvoir par la force, voilà, ou l'exercer en violation. Comprends-moi, logique en général. Voilà. Ça veut dire que c'est qu'un peuple. Au peuple, les gars, ils soutiennent. Donc, pourquoi tu as soutenu? Parce que Bazar, on a le parlement, parce que le peuple n'est pas à voter. Voilà. N'est-ce pas? Ceux qui tout va voter, ils vont voter. Moi, je trouve. Et ça se passe dans mon côté. Voilà. Peuple, déjà, ça prononçait qui a se prononcé déjà le 9 juillet, dans le 13 juillet. Pour moi, ça m'a dit le 9 juillet, là où ça m'a dit le 13 juillet, pour qu'on réclame retrait ou bien pour bout d'enterrinement, choix ou s'opérer de manière unilatérale, il y a mis sur ça à Malonda. Voilà. Donc, moi, je trouve que
il faut bah parlementaire n'a faut pas sur le coin là à considération bah ça la blague était déjà mais sur ça Malouma a été vomi, il a été expurgé par le peuple voilà. Dans son entièreté. Pas seulement qu'il était ça, même dans les provinces il y a des marches qui et ça qui. Alors moi je pense que ceux qui FCC ou même député à FCC bah s'entêter bah imposer Chouana Bango, alors là ils doivent tirer des conséquences. Merci beaucoup. Monsieur Golfi Mwanda, où tu goulanda même intervention à Monsieur Manuel. Question en Zali plus beau. Est-ce que ma député le loro ba zongi, monsieur Oyo, Assemblée nationale et Senga Kipe na ba gouverneur, na ba responsable autorité administrative ba permettre ba zonga quand même koto. Na niveau ya ba vacances parlementaires na ba mon tous en ville province à Kinshasa, ba monsieur Oyo honte tous. Est-ce que ba député wana pena ba zaine loko le loba ko mema le lo na niveau ya bureau ya Assemblée nationale les dirigé par madame Jeanine Mabunda. Pour nous, c'est bon que la commune telle, la commune en Galim, vous avez un problème tel, la commune qui s'en soit un problème tel. Et au-delà de ça, deuxième question, nous allons par rapport à la coalition FCC Cash. Comment vous trouvez déjà rentré parlementaire? Parce que dans les vacances, il y a eu trop de mots, il y a eu des sorties, au côté et simité, côté et bénité. Coalition, on a un niveau et ensemble national, on va redessiner les bisous. Et là, comme souci, il y a vous avez quand même le temps. Mais ça, quand même, le détail pour que tout évolue. Ouais, merci beaucoup, Ndeko Jimmy Makola. On répond à la question avec beaucoup d'énergie. Oui, et depuis que Kabila Tika Kibokonzi, au niveau de la présence de la République, à Vivarana, il y a une sorte de syndrome, bah, bien, en psychologie, syndrome de la citadelle assise. Mais il faut laisser aussi, il faut laisser aussi Kabila, ça va même le faire ôter. Mais attends. Faites toujours allusion à Kabila, tout ça va même le poser un souci. Oui, attends, s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler. De la coalition FCC Cash, même tu as dit que c'est une coalition, non oui, FCC Cash. C'est-à-dire que dans cette coalition, il y a des gens, en fait, okay? il y a des cerveaux monétaires qui tiennent la coalition. Voilà. De l'autre côté, on a Félix Tshisekedi, et puis d'un côté, on a Kabila. Okay? Alors, j'étais en train de dire, depuis que Kabila a laissé la présidence, ces postes-là, Kabila vit dans un syndrome de la citadelle assiégée, c'est-à-dire qu'il voit les dangers partout. Vous voyez, il voit les dangers partout. Voilà pourquoi il ne veut pas se retirer de la politique. Il veut tout le temps être là pour assurer sa sécurité. Vous voyez. Alors, une question, qu'est-ce qu'on devait attendre à la parlementaire qu'on soit et tout ça là et tout, Il ne faut, je l'ai dit, je regarde la caméra, il ne faut rien attendre de ces gens. Tous ces gens travaillent pour satisfaire leur bif. Même le président Jean-Marc Kaboun. Je t'ai dit, même Kaboun. D'ailleurs, de toutes les façons, tu parles de Jeanine Mabunda. Vous savez, quand on est président de l'Assemblée nationale, voilà. D'accord, on est quatrième homme de la République. On est soumis à un devoir de réserve. D'accord, on ne parle pas n'importe comment, on ne parle pas n'importe quoi à la télévision. D'accord, mais nous avons l'impression, moi, tu as dit, tu m'as présenté, tu m'as dit, je suis expert en communication, je suis communicant. En voyant Jeanine Mabunda, en fait. Différemment de ce que Kamere faisait lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, on s'est rendu compte que Jeanine Mabunda travaille pour les comptes d'une partie. Voilà. Vous voyez? Pour les comptes d'une partie. Elle ne mène pas les débats comme il faut. Regardez même dans sa manière de conduire les débats. Quand il s'agit d'un député de l'opposition, elle est plus rigoureuse envers ses députés. Mais quand il s'agit d'un député de la majorité, ou encore du FCC, elle donne beaucoup plus de temps. Voilà. Vous voyez, c'est une dame qui j'aime. Voilà, remarque quand même. C'est une dame qui j'aime bien, elle est intelligente. Nous devons encourager les femmes congolaises. La respecter aussi. Et puis, je profite de l'occasion pour condamner ce que je vis autrefois dans les réseaux sociaux. Voilà. Ces types en train d'insulter, de proférer des insultes à l'endroit de cette dame respectueuse comme Jeanine Mabunda. Alors, cette coalition, il ne faut rien attendre de cette coalition. D'ailleurs, on ne peut pas parler, je vous ai dit autrefois, il ne faut pas parler de la coalition, il faut parler plutôt de la cohabitation. Ah, mais bah, on va contredire yo parce que non, mais attends, mon ami Emmanuel, c'est un garçon que j'aime beaucoup, il est intelligent, mais j'ai comme l'impression, en fait, lui et ses amis de l'UDPS vivent dans une sorte de paradigme de la persistance des croyances réfutées. Vous voyez, une sorte de dissonance cognitive, vous voyez. Alors, moi, je ne les condamne pas parce que Gandhi Aloba, la tolérance mutuelle, la règle et de la conduite, parce que nous ne verrons que la vérité, chacun de sa façon. Mais moi, je trouve que ce n'est qu'un secret de Mais permettez un peu, M. Kolofi, je m'excuse, permettez aussi, ma maman, bah, yo, quand même, Coalition entre FCC na cash et comme ma pays na biso et comme ma mboka na biso na évolution t. Et ça coalition mo oyo ba se retrouver dans une sorte de dédale, dans une sorte il y a labyrinthe. Bango na bango ba comme ko bunda en fait. Et comme le roi une sorte il y a panier il y a crabe.
Ils sont en train de se neutraliser et puis qui perd en retour, c'est le pays. Voilà. Donc il ne faut rien attendre de cette coalition parce que, que ce soit le président Félix Tshisekedi, que ce soit les FCC, ils sont visés 2023. Voilà. Bon, on va viser comment est-ce qu'on va gagner les élections en 2023, comment est-ce qu'on peut contrôler la CENI, comment est-ce qu'on peut contrôler la Cour constitutionnelle qu'on soit et tout ça là. Et tout ça, c'est les peuples. Comment ça va être dans mon cas? Tout ça, il y a la guerre à l'Est, il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Social, il y a social, tout ça, l'eau potable qu'on soit et tout ça, mais j'ai comme l'impression que... Bah, il y a eu des pèses malgré lutte Nabarro il y a plus de 30 ans. Bah, soit qu'ils les sont. On dirait que, est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, est-ce qu'il a posé une candidature à la présidence de la République pour être à la communication, une campagne de notoriété? Vous voyez? Et puis, je proposerai prochainement, que ce soit la députation nationale, Sénat, consort et tout cela, il faut qu'on ait une sorte d'école d'administration. On a l'impression que Batona va être tâtonné au sommet de l'État. Merci beaucoup. Vous avez une émission, le détail, à Mokolo Alelo, tout ça, sur la rentrée parlementaire, on a M. Golvi Mwanda, puis de l'autre côté. Mais c'est Emmanuel Tshibambe Wazali, Moko et communicateur il y a IDPS. Voilà, dans le final, il y a tournoi. Et ça, moi qui, dans la commune, il y a qui sens, dans la fondation, il y a Yannick Ntseti, là, pour que tout le monde, dans le détail, tout le monde, quand même, le solo, il y a 13 parlementaires. Mais moi, on a déjà commis, et pas à Moko Nzambouka, Bolanda. Bureau, taux délégation, oui, merci. Assisté Namapinga, merci, Papa Yaman Nebele. Délégation, oui. Clé pour étrangers, à terrain. Chef, pardon, l'honorable Saint-Louis, pour la morale, il y a ma joué, il y a ma nika, il y a ma belle. Comme il parle souvent, qui sait ça, c'est mon village. Vraiment, je viens de la princesse Nabusso, arbitrage B, vous c'est très bien, contre T, vous avez la propriété, vous la naître. National. Nous sommes le vrai patrie, le vrai patriote plutôt. Sopa APD Demukolo Ligolo APD Ebima remise et prix.
Jeff, vous mettez à terre parce que Tobandaki, vous voyez qui, au moins là, Tobandaki en haut, vous avez qui témoin. Et Togompelo n'a souka, n'a sépé de ma case parce que l'objectif n'a plus vraiment été atteint avec sécurité. Et n'a le soumis à colonel. En fondation, il y a une ceci là, et ça n'a pas objectif ébélé. Au Tobandaki en haut parce que, bah, vous avez un confinement. Tant qu'on va faire moi, il faut être basse épée là, on a moins match, Tobandaki n'a match. Et si vous êtes attaqué, Merci beaucoup de retour dans l'émission Les détails à Mukula Lelo. Côté Siko, le deuxième point, il y a mémoire à 13 parlementaires. Au-delà, il y a Nyonso qui a dit non, les 13 parlementaires veulent un dialogue pour nous pouvoir, pour nous toujours, pour nous avoir toujours. Mais finalement, mémoire déjà commis par Mukonzambo avec moi, extrait dans nous. Monsieur Emmanuel, au-delà, il y a la démarche Nyonso, la sali, la tamboli, la sali, vraiment. Tourne à Bango, écoute à ma personnalité, Kubanda, aux États-Unis, religion, diplomate, responsable aussi, aux États-Unis, responsable de la partie politique. Finalement, Memo est commis ici comme Kouzamboka. Oyo, parce que c'est un gâteau, zon à la deuxième tour, que l'on a le système, il y a un CIO, il y a un Bango, il y a un Bango, il y a un. Est-ce que le lobby, nous, au niveau IDPS, oui, que l'on a 13 parlementaires, salé déjà, Moussala, Oyo, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un lancé. Aussi le ministre intérieur à Salayango, il y a des couacs où il y a une coalition entre FCC Cash, il faut quand même une idée commune plutôt pour que vous vous en amour. Est-ce que va permettre nous déjà de salaire avancer? Comment vous trouvez ça déjà à niveau et commune? Bon, merci. Ici, je répondrai non. Je répondrai en tant qu'analyste. Ouais. Parce que. Par rapport à cette question, mon parti ne s'est pas encore prononcé. Voilà. Et je n'ai pas l'impérium de pouvoir avoir la primeur de pouvoir communiquer à ce sujet. Donc je laisse la primeur à qui de droit. Voilà. En tant qu'analyste, là je peux répondre à la question. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher aux gens ou à quelqu'un de pouvoir réfléchir. De réfléchir, n'est-ce pas? On est libre de réfléchir. Les 13 parlementaires avaient pensé qu'il aurait fallu amener quelques réformes au niveau de la CENI. Ouais. Ils ont fait leur travail et ils sont arrivés à la fin de leur travail. Je les ai vus hier être reçus par le chef de l'État. Ouais. Ils ont soumis leur travail fait depuis tout ce temps. Alors moi je pense que c'est une des, à mon avis bien entendu, je dis, tant que Congolais, tant qu'humain, Congolais, analyste, voilà, tout qu'on sort, acteurs politiques, voilà. Ils ont fait leur travail, c'est Moussa Mbango. Il y a quelques résolutions dans lesquelles tu as un IP, c'est-à-dire qu'on est intéressé. Par exemple, moi j'ai toujours prôné que nous rentrions de deux tours. Voilà. Là, il y aura quand même une sorte de. La légitimité sera un peu plus pondérante par rapport à. Voilà. Mais tu vois, par exemple, et puis. Il y a aussi plein, je l'ai dit tantôt, il y a certaines revendications que moi également je prends. Par exemple, le problème, c'est là. Est-ce que vous savez, qui veut. Voilà, le sait aussi, le sait, c'est un problème majeur. Voilà. C'est un problème qui ben, nous sommes FCC, ben, ça, là, quand ils avaient taillé sur mes îles pour pouvoir écarter certaines candidatures, notamment on peut mal à l'aise, tout ça, pour que voilà. Donc, il y a un seuil, et puis. Nali Kangouya, identification. Moi, voilà. J'ai dit identification, et ça, vraiment, et l'eau au moro, tout s'en passer. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui, nous avons un président de la République
excusez-moi, peut-être que ça fera mal aux autres, mais moi je le dis, on a la chance aujourd'hui d'avoir un président qui n'est pas contesté par la population. Hein? Son prédécesseur, nous l'avons contesté. Voilà. Même nationalité, mais ce n'est pas ça le débat. Aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils du pays. Voilà. Il a. Là, tu parles plus par rapport à l'identité, par rapport à. J'y reviens. Par rapport aux origines. Non, j'ai ouvert la branche par rapport à l'identification de la population et le recensement. Qui est congolais, qui n'est pas congolais, vous savez. Est-ce que vous savez, le dernier recensement s'est fait en quelle année? Est-ce que vous avez dit 84 et Bélé, Babotama et Namouté. Exact. Moi, j'étais trop jeune quand il a fait Salamaki. 84. Et est-ce que vous imaginez, nous sommes le seul pays au monde où tu as carte d'identité. Carte. Il est lecteur de comment tu as lieu. D'ailleurs, il y a une fois, dans ma carte d'électeur, une fois, il y a commandement la police à l'épreuve. Pourquoi? Carte d'électeur. Et puis, ils ont coïncidé que c'est juste une. Et j'avais ma carte à 2011. Ancienne carte à 2011. La carte, on a six mois. Comment que. Ça tient lieu des cartes d'identité. Mais il y a 2000. Et ça qui est plus électoral. Ce qui n'a six mois. Comment. Nous sommes en carte d'électeur. Nulle part, il est mentionné que cette carte d'électeur tient d'office la carte d'identité. Nulle part. Bon, maintenant, par rapport à la matière. Alors, qu'est-ce qui dérange maintenant la niveau? Ça ne dérange pas. Nando évoquait. La place aux autres, quand même. Moi, je suis pour que. Avant toute élection, voilà. Il faut que nani, azanani. Il faut que papa, il y a honorable Janine Mabunda, azanani. Tout ça combien? Tout ça combien la RDC? Il faut que Koko Nyangi, papa nae, Koko nae nani. Il faut que Jama Gabon, je suis pas contre le Rwandais. Voilà. On est condamné de vivre avec eux jusqu'à la fin de la vie. C'est le voisinage dont on est astreint de vivre en voisinage jusqu'à la fin du monde. Merci. Mais seulement, je mérite. Mon tout ça au la frontière, à côté d'un bourg, l'enfant n'est pas papa. Alors nous avons la chance aujourd'hui. Hier nous luttions, nous menions ce combat. Il y a identification, recensement. Les loyaux, tu as eu brèche, tu as la chance, tu as mon amboka. Félix, tu sais, président a destiné à Mboka. Moi je suis pour que. Et ça, m'a déjà mis pour autant d'avenues et que dans chacune des avenues il y a autant de population. Alors ça va calculer normalement pour que tout y ait banapé et puis au moins que et qu'on permette Bissot. J'étais victime d'ailleurs en passant de manière un peu moins d'éducation. Il y a trois jours j'étais victime, il y a Bataille, il y a Koulouna, et qu'on permette un pays directement place aux gens qui ont la seule au moins Sikaya, aux gens qui sont normaux. Et qu'on permette un peu de Bappé qui est non, on a venu, il y a Koulouna, on a la place, vous voyez. Merci beaucoup. Et qu'on facilite un peu Bataille, service de sécurité, tâche malamant quoi. Merci beaucoup. On a analysé, il y a M. Emmanuel par rapport à l'identification, on a mémoire et matrice parlementaire. M. Golvi, au-delà de ça, ceux qui. Les canisés à qui m'alarme parce que tout Congolais a le droit de réfléchir dans le moment où ils allaient. Et les restes aussi, ils allaient que le bateau ne soit pas dans la trace parlementaire et belé basé parlementaire. Comment vous trouvez ça? Il y a un bas, mais pas mon Konzambo qui va déposer mes mots, mais et pas à Joseph Kabila, ma comité.
bayambi bango te bayebi pe contenir makambo bazosala te nyonso ekosuka temple de démocratie parlement et sika FCC azali majorité. Comment vous trouvez déjà des marches na bango ndenge ba komile na mimo ba pesi pe ba proposition na bango et sika nini bozali quand même na ba idée mongo zo bala na yango to et sika nini wo monique awa pena ba 13 parlementaires ba kendeki mwa musika mingi mais ba respecter yango te. Et par rapport aussi à l'identification monsieur Emmanuel Lobiango, c'est très important aussi ya koyeba tozaka combien 80 millions est-ce que to komanda 135 millions te. Vous avez aussi la parole dans le détail puis ça quand même. Merci beaucoup ndeko Jimmy Makula pour la maloba. Que Kabila soit congolais ou pas, je n'ai pas d'infos, je n'ai pas vérifié et je m'en fous. Il est congolais. Là, c'est le débat. J'ai dit, je ne sais pas en fait. Ouais. Mais tout ce que je sais, tout ce que je peux confirmer sur ton plateau, est que Kabila n'aime pas ce pays. Comment ça? Non. Tu as dit non. Il y a eu la démarche de ces 13 parlementaires. D'accord. Ils sont arrivés chez Kabila. Ils ont été chassés en fait. D'accord. Kabila n'aime pas ce pays. Kabila n'a jamais travaillé. Je peux le démontrer. Pour diminuer mon mot, chasser, c'est encore trop dur. Refuser l'accès. Refuser l'accès. Kabila n'a jamais aimé ces pays. Vous voyez? Kabila a travaillé pour satisfaire ses beefsteaks et ses ambitions personnelles. Ok? Kabila n'aime jamais ses pays, n'a jamais aimé ses pays. Kabila a tué les autres. Les 13 parlementaires. Okay. Mais moi, je ne connais pas Mukonzamboka. Parlons un peu de ça. Tu sais, Mukonzamboka. Laissez aussi Kabila respirer dans son frère, M. de Kingakati. Mukonzamboka ne travaille pas seul. Mukonzamboka travaille dans une coalition avec Kabila. Voilà. C'est Kabila et Tshisekedi qui sont les chefs de la coalition. Ok? Le président de la République, avec sa bonne foi, puisque c'est quelqu'un d'une bonne foi, en fait, c'est reconnu. Avec sa bonne foi, il peut recevoir les 13 parlementaires. Dès lors qu'il va partenaire à Moussoussou, Kabila, vous savez, c'est un partenaire qui pèse beaucoup. Voilà. Dès lors que partenaire n'est mon corps, okay, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, la majorité dans des entreprises, partout qu'on sort, à Boïko recevoir, même pas au terme, à pouvoir à Missou, na 13 parlementaires, bah, pour proposer. Donc, dis-toi qu'il y a une sorte de mauvaise foi dedans. Natangi document au bazo ko promouvoir té mais dedans na yo ki obi keza ba discuté m'ambassadeur qui a posé problème et tout ça là donc c'est une élection à deux tours c'est une élection c'est nié comme on a 9 membres à deux tours c'est aussi bien enfin vous voyez ba candidat nyoso ba lika mambo ya un tour ba souffre na mambo tali légitimité vous voyez ça posé problème mais est-ce que elo ngai na limité contrairement ya Emmanuel je ne veux pas qu'on puisse lier recensement na organisation avec élection. On peut commencer ça maintenant. Le mot, ça vient de toi. On peut commencer ça. J'ai suivi. En fait, vous savez, en journalisme, il existe phrase mot tolwaka. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Emmanuel était dans ça. En fait. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est exactement ce qu'il a voulu dire. Kadhafi a été condamné des crimes contre l'humanité par juste intention. Il n'avait pas commis encore l'acte. D'accord, il avait l'intention. Mais côté ni nomoni quand même, mais c'est Emmanuel a fauché quand même. Le fait qu'Emmanuel puisse dire ici. Il faut qu'on puisse identifier les Congolais, c'est pas mauvais. Voilà. Nous tous, on a besoin d'avoir des cartes d'identité. Et nous sommes aussi en 2020. Vous dire au même en 2021. Oui, 2021, puis ceux qui n'ont pas joint. Non, attention. Les Congos, nous ne sommes même pas 80 millions d'habitants, puisque ce ne sont que des estimations. Nous sommes plus nombreux que ça. Voilà. Vous savez, il y a de cela 5 ans, nous étions les 4e pays les plus peuplés d'Afrique. Derrière, je pense que l'Éthiopie ou Kenya ou l'Égypte qu'on sort. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je pense que le Congo a dépassé 100 millions d'habitants. Ça, c'est donc, certain. Donc lorsqu'on parle des recensements, tu sais... 80 millions d'habitants, c'était l'estimation. L'estimation. Ça date de longtemps. C'était les résultats du recensement de 1984. Voilà, t'imagines, alors, 80 millions. Regardez, il y a un chiffre de 36 ans. Voilà, tu imagines... Qu'une commune, je donne un exemple, à Kinshasa seulement. Voilà. Moi, j'ai été dans la co-direction de plusieurs travaux scientifiques à l'IFASIC. Tu prends une commune telle que la commune de Kimbatseke. La commune de Kimbatseke, vous savez-vous, c'est la commune la plus peuplée de Kinshasa. Elle compte plus de 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants. Et là, crois-moi, les 6 millions-là ne sont que des estimations. Voilà. Donc, dans ces pays, on est plus de 100 millions d'habitants. Alors, ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse prendre les recensements, les coller aux élections. Ok? Nous ne voulons pas rentrer encore dans ce qu'on a eu à condamner autrefois chez Kabila.
voyez, c'est ce que je vais demander au président Tshisekedi de ne pas céder en fait à ces gens qui ont fait de Kabila un dieu. Vous savez, Kabila aujourd'hui est considéré comme une sorte de dieu. On a piédestalisé Kabila, on a pris Kabila, on l'a mis sur une sorte de piédestal et ces gens commencent à les vénérer comme une sorte de dieu. Mmh. Conséquence directe, Kabila non seulement s'est contenté de cette place, voilà. Il ne veut plus descendre de son lit de confort. Mais c'est la première conséquence. Deuxième conséquence. Non seulement il ne veut plus descendre de ses lits, de sa place de confort, mais il ne sait plus comment descendre. Et ça, c'est un problème. Voilà. Mais est-ce que question mon cas à partir même il y a recensement en Akatoruz à peine la même identification mon structure Ezali. Ezali qui peut promulguer, bah responsable et puis Ezali, bah on s'en appelle Moussa Nabamou. Vous pensez que ce qui est l'autre bandit Babandi déjà Moussala Lelo tout en 2021 comme déjà presque une année à la fin de l'année et vous avez vu combien de temps que tout comme en 2023 ça déjà un affiché mon compte normal recensé identifié et qu'on permet de dire en 2023 tout ça dans ma cambo belé belé terre ou l'oukani tout ça déjà un affiché mon tobi que un tel azak congolais un tel azak congolais terre et ça libisso quand même normal et à niveau aussi il y a des moyens est-ce qu'ils sont capables aussi et on peut s'habiller par exemple dans une année tout deux ans pour qu'en 2023 et à la liété que l'élection conditionnée des Zaïka les propos voilà, voilà, voilà. C'est une question pertinente. Vous avez quand même 3 minutes parce que voilà. Merci beaucoup. C'est une question pertinente. Je vais commencer par répondre à la deuxième question, notamment les problèmes des moyens. Le pays n'a pas les moyens pour organiser tout de suite un recensement. Et quand je parle d'un recensement, les changements est un processus progressif qui ne vient pas du jour au lendemain. Moi, j'ai fini à l'IFASIC en communication sociale. Je m'y connais un peu dans la matière. Mais tu voulais parler d'une structure. Tu parles de quelle structure? Organisation nationale d'identification de la population, ONIP. Sache-le bien, si tu veux parler de l'ONIP, l'ONIP a été créé à dessein. L'ONIP a été créé pour permettre à Kabila de glisser encore. Vous voyez, hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes dirigeants, ce ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. On a déjà changé, on a déjà nommé le. C'est vrai, la preuve année que le FCC refuse les recensements pour le moment. Maintenant, le FCC refuse les recensements. Mais le pays ne va pas toujours rester comme pour, ça. Pour te démontrer que l'ONIP à l'époque a été créé pour permettre à Kabila de glisser et de conserver les pouvoirs. Vous voyez, donc nous voulons un recensement, nous voulons avoir des cartes d'identité. Moi, par exemple, j'ai perdu il y a quelques jours mes identités, ma carte d'électeur. Aujourd'hui, je ne sais pas comment faire des transactions parce que. Je vais chuter. Nous voulons des recensements, bien sûr, mais nous ne voulons pas ce que l'on lit. Les recensements avec l'organisation des élections. Nous ne voulons pas tomber dans ce qu'on a eu à reprocher à Kabila hier. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Manuel, vous êtes quand même Golanda, monsieur Golvi, mais question n'a pas par rapport à vous. Les lots, par où le bapé que l'IDPS, les lots, comme il est lié, tout le monde a fait qu'il y ait une élection en 2023, qu'il y ait une identification, pour ceux qui ont une identification, pour ceux qui identification est silité, tout comme en 2023, on dira, le président de la République a besoin d'identifier Moutounion sort aussi les processus soient en attendant tant que aussi là n'est aucun naninouana. Première question. Deuxième question. Après Covid ou tout ça, Moutounion sort et les qui ne sont tout ça, on peut pendant aussi ou au pays macamouzé belé déjà été ni le monde faut aller déjà macamouzé devant la justice au cas où qu'il est déjà pour n'importe la ministre belé par comment au bout n'importe où qu'il est devant justice. Est-ce que le pays aussi a le moyen aujourd'hui y a le bac bon je suis prêt y a quoi financer ONIP à ça la moussala n'est pour que et ça la peine un timing normal pour que atteindre 2023 donc qu'il y a une élection normale pour ça la lier en amont. Des questions, vous avez quand même le temps aussi à vous poser ça quand même la précision. Jimmy, j'aimerais noter la caméra. Voilà. Na m'adresser à la population. Moni, le nom le besoin vérité. Voilà. Aujourd'hui là, s'il faut qu'on organise des élections aujourd'hui. Qui va gagner? Il n'y a aucun parti qui va battre l'UDPS. C'est vrai ça? Oui, bien moi. Même la Kinshasa. Papa, moi je parle du Congo, pas Kinshasa. Tu es dans le danger quand même la Kinshasa en particulier. Il n'y a aucun parti politique. Oyo, Aoya Bina Boya battre de peste et ça dit. Tu as mis presque déjà la souka, tu as ça 2 minutes, na bah invité la bise à mon collègue. En tout cas, vous respectez ton parce que le timing déjà va se signaler sur que tu as mis presque la souka. Tu as quand même aussi, tu as mis la nuance politique, identification, mais un peu de social. Thomson est au monde entier. Et comme Michel, quiz, on n'en parle pas. Babi Logo Matkembele, en tout cas, Soso, n'est-ce pas mettre leader à l'Obaga, Moussou Sekena, parti Moussou Sekena qui m'a dit que Moussou Soubana Massina Bazoui, Soso Moko, et Kabole Mina 24 communes. 2 minutes seulement, en tout cas, pour conclure, Michel Lilo,
pour tout ça, monsieur Emmanuel, tout ça, ma merci, Ndeko Jimmy, point maloba. Tout ça, c'est la sociale. Sociale, un peu. Parlez quand même. Panier à ménager, c'est vraiment là où vous venez. Je vais poser une question, parce que moi, je n'ai pas le droit de vous poser une question. Ouais. Je pose une question et je vais répondre à cette question. Tu sais, la différence entre un pays développé et un pays émergent, qu'est-ce qu'un pays développé? Un pays développé, c'est un pays, c'est tout pays dont la majorité de la population a accès à tous ses besoins vitaux, à savoir accès à un logement, accès à l'eau potable, accès à la santé, et puis accès à l'éducation. Quatre. D'accord? Quatre. Alors, tu sais pourquoi on dit que la Norvège est un pays développé, mais la Russie, qui est un grand pays, on dit que la Russie est un pays émergent. Pourquoi? Parce que... Norvège a coquissi. Voilà, Norvège a coquissi. Tu sais, nous, la RDC aujourd'hui, la RDC, nous avons l'impression... Non, en fait, j'ai comme l'impression de dire, je me pose des questions. Tu sais, il y a pas longtemps, j'étais chez moi à la maison, j'étais en train d'étudier si la RDC, depuis étant indépendant du Congo, c'est-à-dire qu'étant indépendant du Congo, il y a 1908, 1908, 1960, les Congo belges, colonisation, et puis de 1960 jusqu'à maintenant, 60 ans, nous sommes incapables d'acheter ne serait-ce que 3 bateaux de pêche pour nourrir la population. Solution de 30 secondes. Parce que comme solution, Ezali. Solution, Ezali. Il faut qu'il y ait ma politique na biso. En fait, je demanderai au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous avons longtemps connu des politiciens congolais qui ont, en fait, entre guillemets, congolais, qui ont travaillé pour leur ventre. Voilà. Solution, Ezali, cette fois-ci, à travailler pour le peuple. Tout travailler pour le peuple. C'est simple. Merci. Je donne un exemple. On peut acheter, regardez, tu vois, il y a les poules Malebo à côté. Tu sais, si on mettait ne serait-ce que 3 bateaux de pêche, j'ai dit 3 bateaux de pêche seulement, qui est dans le lac Tanganyika, le lac Victoria, qui est dans la poule Malebo, kaka. Tu sais, est-ce qu'on. Et puis, Chinchaoui, tu as la Namibie. Voilà. Namibie, c'est un pays qui est semi-désertique. C'est-à-dire, une grande partie de la Namibie est désert. Mais Namibie, c'est une d'habitude, Chinchaoui, en abondance. Donc, d'où. Il faut que les présidents de la République, puisque nous sommes bien IDP, travailler pour les succès des Congolais. Et ton signe est c'est-à-dire qu'il a respecté ma parole là, ou à Pesaki. Il dit qu'à Pesaba Congolais, il y a Kolia. C'est-à-dire que Bilanga, tout ça, Bilanga, tout son bateau de pêche pour que le bateau soit en bis, c'était surtout le bis, Nabiso. Et vous allez sur Thompson T. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Ouais. En tout cas, 2 minutes. Deux minutes comme ça, si quand même, Michel Lelo. Parler un peu du social. Les Londres n'ont une république démocratique du Congo, mais c'est Golfo Lobby 60 ans. Ton récit, même pour un bateau de pêche, t'écoute une chose grave. Ministre, il y a pêche, il y a un ambassadeur à Namibie, pour nous enseigner à Namibie, accompagner, alors que tu as un lac le plus poissonnier du monde. Il y a autant à l'Europe. C'est la sorcellerie. Deux minutes comme ça, tout chiffre. Non, ce n'est pas la sorcellerie, monsieur Golfo Mwanda. Voilà. Oui, il faut d'abord se poser la question, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a hérité ce pays de quelle manière? Pays moko presque déchiqueté, une économie exsangue, cher ami, pendant plus de 2 décennies. Si on ajoute on ne dirige pas les pays avec les excuses. Ça veut dire que vous voulez des solutions immédiates. C'est ça le problème. Comment expliquer même à ta maman? Allez-y, M. Manuel, 2 minutes. Oui, dans 2 minutes. Même à ta maman, Nandako. So PCMO, il faut qu'il ne wenze. Ake wenze a songi, abando lamba, a chef dona mesa, na moto. Ce n'est pas un bambo PCMO, bilogo, balamoko. Non, il faut aller étape par étape. Voilà. N'est-ce pas? Le chef de l'État, lui, il prend, comme dit notre. Il doit prendre un progrès social. Le progrès et le social. Voilà. Ici, est-elle sur ça? Seulement. Et ça qui est Mboka, et ça qui est Okufa Makasi. Moi, il faut reconnaître en nous. Moi, dans Mboka, Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, tu le moiseau, Bunda Makasi, c'est son cheval, c'est son leitmotiv, la midi, que y est social à peuple congolais, on est encore préoccupé. Voilà. Sécurité, du Kolia, donc tout ce qui est social, le bien des premiers nécessaires, surtout, et ça, dans 2000, dans l'année, on est coquitté. Et au coup d'après, on a la montre. Donc, il y a le bac.
ils ont souci à chef de l'État, mm-hmm. n'est-ce pas? Ou évoquer mon bon ami, bateau de pêche. Le bateau de pêche ne suffit pas. Mm-hmm. Vous avez un bateau de pêche, oui. Mm-hmm. Mais il faut bambis, il faut qu'on bombe un mot, qu'on conserve un mot. Ça demandera la construction, il faut et ça sera même matérialisé. Merci beaucoup. Faut aller pas à pas mollo. Merci beaucoup. Pour arriver pour atteindre l'apothéose. Merci beaucoup. Plaisir Zaki Abisso ya Koyambayo, monsieur Manuel, Ozali communicateur et IDPS, merci en tout cas. Merci monsieur Golvi, plaisir Zaki Abisso les détails pour toi Yambayo, Ozali quand même habitué. Donc comme il a souka Michel les détails mokola lelo, bomoni quand même débat Zalaki entre les communicateurs, entre les communicants, auto communicateur IDPS, auto communicant expert en communication. Donc on a une émission au Nasolu Télévision 21h30 rediffusion 14h le même plaisir na chaîne Abisso sur YouTube les détails officiels au couteau s'abonner au couteau émission au pour Kenyon c'est ça la malamou merci à Serge Biselenge tout couteau un bino mokola lobby avec le même plaisir.